Soldat, perdu.
Spider-Man ? Henry, excité, soldat ! C'est avec vous qu'elle la chantera. Avec moi ? Quel honneur ! Quel honneur ! Bien, maintenant, nous, l'affaire. Vous savez pourquoi il faudrait la guerre ? Pas du tout. Oh, enfin, la grande duchesse, comme vous savez, n'a plus 20 ans.
lettre de papa. Et que dit votre papa? Il dit que tout ça commence à dire pas il est en vérité. Parce que si je ne dois pas vous épouser, papa prendrait un autre parti et me dirigerait avec ma dot vers une autre grande duchesse. Ah, rassurez, lecteur, votre père se marie à ce verra un jour ou l'autre. C'est que vous.
au milieu. Super. Je battrai la nuit, ma trois chemins. Je battrai pour vous, pour la grande duchesse, pour mon pays, la nuit, pour l'ennemi. Bon.
Mais après,
Thank you.
que je suis sensible. Sans discours, n'a rien de pénible. Et de tout mon cœur, je m'empresse de lui rendre sa politesse. Déjà une autre invitation. Est-ce que ça veut dire qu'on a peur que le dîner ne soit pas bon? Pardon? Eh ben, ça veut simplement dire qu'on est déjà invité, c'est tout. C'est tout? Il y a des moments où une femme est heureuse d'avoir un château fort à sa disposition. Madame! Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis désolé de vous déranger, mais voici un message très urgent. Donnez! S'il n'y avait pas Vendard. Scandale public! Mauvaise tenue du général Fritz. Jeune fille nommée Vanda menée par lui à la ville. Oh, il faut savoir, hein, Vanda. Dans un instant, général, je suis à vous. Vous permettez? Je permets. Eh bien, attendez-moi. Suivez-nous, capitaine. Le voici. Il va nous gêner. Ce que nous avons à vous dire. Général, mes affaires de l'État retiennent son Altesse, mais elle m'a ordonné de vous conduire à votre appartement, dans le pavillon de la droite. Eh bien, allons. Je vais lui dire que finalement, je veux épouser Vanda et l'épouser le plus vite possible. Et maintenant, dans le pavillon de la droite. Messieurs, monsieur. Vous allez comprendre. Vous semblez avoir une histoire à me raconter. Une lugubre histoire. Eh bien, racontez-moi. Il s'appelait Max. Il était comte de Zedlitz-Calembourg, amant de la grande duchesse Victorine, aïeul de notre grande duchesse. Achevez! Achevez! La duchesse en personne doit
Dans le jardin fondu, coule-moi, le jour de l'énoncé, il n'y a pas.
dans ce corridor mystérieux. Faites-les entrer, et si je le juge convenable, je me montrerai. Politesse ! Levez-vous et faites entrer. Sortez de ce couloir avec profit de l'âme. Lites et noirs dans ce couloir, moins noir que dans vos âmes. Sortez tous de ce couloir. Sortez avec profit de l'âme. Avec profit de l'âme. Avancez, messieurs, et marchez sans bruit. Avançons, et marchons sans bruit. Rangez-vous là, rangeons-nous là. Thank you.
Je suis aux ordres de votre Altesse. Alors je me lance. Voulez-vous être mon ami? Mais volontiers, Altesse. Oh, surtout, baron, quand on exécutera le général Fritz tout à l'heure, tenez-vous à l'écart. Il serait dommage qu'un si beau visage... Enfin, vous voyez. Je ne vois pas. Mais pourquoi voulez-vous éliminer le général Fritz? Parce que je sais. J'ai oublié. Mais vous en pensez quoi, vous? Je ne pense pas, madame. Mais si nous parlions du prince Paul? Oh, tout à l'heure, baron. Mais vous faites quoi, là-bas, à la cour de votre maître? Chambellan. Oh, vous auriez mieux chez moi si vous vouliez venir à ma cour. Ça n'est pas possible. Et pourquoi? J'ai des devoirs, mais si votre Altesse consentait à épouser mon prince... Ah, nous y sommes. Nous n'avons pas parlé d'autre chose. Bien sûr que non. Chut. Bravo, bravo, ça c'est la diplomatie. J'ai un peu tout petit. Altesse! C'est vous, messieurs. Ça marche. Oh, mon ami. Vous avez placé vos hommes? Oui, Altesse. Eh bien, allez leur dire qu'ils peuvent rentrer chez eux. Comment? On ne tuera pas. Oh, très bien. Même c'est désagréable, on se tue mal. Il n'a pas été brise. Il ne restait que le plaisir. Je dis que l'on ne tuera pas. Tuer un homme le jour où je me marie, cela ne serait pas convenable. Elle l'a dit. Vous l'avez entendu? Elle l'a dit. Elle l'a dit. Yeah.
un seul. Monsieur le général. Ça fait une différence, n'est-ce pas? Quand on s'attendait à épouser un pauvre soldat et qu'on se retrouve avec un général en chef couronné par la victoire, tu es ébloui à vous. Non. Mais si, si, ben, ben, si tu, tu es ébloui, c'est normal, c'est parce que tu vois mon panache, mes décorations, mon manteau. Mais j'en serai bientôt débarrassé. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, on est marié femme. Bah oui. Bon, quand on est marié femme, fais comme moi. Oui. Mais tout à l'heure. Mais pourquoi tout à l'heure? Oh, allez, Vanda, sois pas timide. C'est vrai que j'ai un peu peur. Quel idiot je fais? Je suis en train de me faire un peu plus de temps.
Thank you.
rentrée. Nous lui avons, le général et moi, joué une petite farce. Le général avait depuis 10 ans l'habitude d'aller tous les mardis soirs chez une dame. Oh oui, général ! Oui. Hier, mardi, cette dame lui a écrit. Ne venez pas ce soir, mon mari se doute de quelque chose. Il vous attend. Cela nous a donné une idée. Mais rigole, oh. J'ai dit au général Fritz, rendez-vous immédiatement chez cette dame. Mais il y est allé? Il y est allé. Mais rigole, oh. Il vient de trouver le mari et sa carte. Bref, une heure pour aller chez la dame. Une demi-heure pour se faire grosser et 2 heures pour rentrer en retard. Il ne devrait pas tarder. Ah, quoi je me disais. Il a dit. Oui, chérie. Le baron a une femme et
trois enfants. Bientôt quatre, mon prince. Bientôt quatre. Quatre. Baron.